Les sons. Les sons de haute qualité et de haute expressivité du PA-1000 sont la base des styles et des keyboard sets. Ces sons peuvent aussi être employés lors de la création et de la lecture de séquences MIDI. Dans cette partie, nous allons étudier les sons en profondeur. Quand l'instrument est allumé pour la première fois, le keyboard set est déjà configuré avec un son de piano stéréo sur toute la gamme du clavier. Pour sélectionner un autre son, touchez l'espace Upper 1 dans le coin en haut à droite de l'écran contenant le nom du son actuel Concert Grand. Touchez n'importe quel son sur l'écran pour en sélectionner un. 8 sons s'affichent en même temps et il est possible d'accéder à davantage de sons en touchant les onglets en bas de la page. Les sons sont groupés en catégories pouvant être sélectionnés à l'aide des onglets à gauche et à droite. Des sons supplémentaires sont accessibles grâce aux onglets en haut de la page. Legacy donne accès à des sons provenant d'instruments précédents les séries des Korg PA. GM/GX permet d'accéder au son général MIDI et GX. À propos, dans certains cas, plus de 4 onglets de sons peuvent être disponibles dans une catégorie en particulier. Si c'est le cas, ces boutons fléchés permettent de naviguer entre les onglets disponibles. Allez dans l'onglet Factory. Sélectionnez la catégorie SynthPad et touchez WarmPad. Avec de nombreux sons du PA-1000, un vibrato peut être ajouté en poussant le joystick vers l'avant. Avec certains sons, le fait de tirer le joystick vers vous affectera aussi le son. Allez à la catégorie trompette et trombone. Jazz trompette DN2. Le Define Nuance Control est la capacité à contrôler plusieurs nuances des instruments. Dans cet exemple, si vous appuyez sur le bouton 1 et que vous jouez une note, vous obtenez une note d'agrément. En appuyant sur le bouton 2, puis en jouant une note, vous obtenez un glissando dans les graves jusqu'à la note. Si le bouton 2 est enfoncé après avoir joué une note, vous obtenez une note pointée, un glissando vers le haut quand la note est relâchée. Maintenir le joystick vers l'arrière et jouer déclenche des notes de trompette exagérées. Les boutons 1 et 2, le joystick et même la manière dont vous jouez du clavier, par exemple legato, peuvent introduire des nuances qui apportent de la vie et du réalisme au son. Les sons dotés de ce type de commande portent les noms contenant systématiquement DNC, DN1 ou DN2. Allez à la catégorie organes. Plusieurs sons d'orgue échantillonnés sont disponibles dans une variété de réglages de tirettes harmoniques. Cependant, le PA-1000 présente également un son de tirette harmonique spécial émulant l'orgue à tirette harmonique classique, vous permettant ainsi d'ajuster votre propre réglage de tirette harmonique. Sélectionnez Drawbars et servez-vous des curseurs sur l'écran pour ajuster les tirettes. Il est possible de sauvegarder vos sons de tirette harmonique sur l'un des emplacements de la bibliothèque des keyboard sets. Nous verrons cela dans un instant. Un effet de roue phonique est disponible sur cet orgue, tout comme de nombreux autres sons d'orgue. Il vous suffit de pousser le joystick vers l'avant, nul besoin de le maintenir pour changer la vitesse. En fait, le PA-1000 comporte une énorme bibliothèque d'effets tels que les chorus, reverb, etc. pouvant servir à améliorer les keyboard sets, l'accompagnement et les morceaux MIDI. Les effets vous seront expliqués en détail dans la partie effets. Appuyez sur Exit. Dans un keyboard set, vous pouvez trouver jusqu'à 3 sons dans la gamme aiguë et un son dans la gamme grave. Combinons quelques sons. Pour le son Upper 1, dans la catégorie électrique piano, sélectionnez Beltane EP. Appuyez sur Exit. Notez que l'écran signale que le son des Upper 2 et Upper 3 est coupé. Touchez ici pour réactiver le son Upper 2. Réactivez Upper 3. Maintenant, appuyez sur le bouton Split et les 3 sons Upper sont au-dessus du point de partage. Vous avez maintenant accès au son Lower. Le point de partage original est réglé dans le mode global. Cependant, vous avez la possibilité de l'ignorer de manière temporaire. Maintenez le bouton Split jusqu'à ce qu'il apparaisse sur l'écran. Maintenant, jouez la note à l'endroit où vous voulez appliquer le nouveau partage. Le nouveau point de partage sera conservé jusqu'à ce qu'un nouveau keyboard set soit sélectionné. Le point de partage global est le même pour tous les keyboard sets, mais si nécessaire, un point de partage spécifique peut être sauvegardé avec chaque keyboard set individuel. Quand le style est arrêté, vous remarquerez que même si le son lower est coupé, le son lower sera quand même lu. De même, le son de base du style sera lu lorsque les 3 notes ou plus sont jouées simultanément. C'est ce qu'on appelle bass and lower backing. Vous remarquerez que backing est écrit ici.
C'est très utile pour jouer des introductions de morceaux. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver cette fonction dans le mode global. Apportons quelques changements supplémentaires. Il est possible de diminuer rapidement tous les sons upper d'une octave en appuyant sur le bouton upper octave moins. Ajustons le niveau d'upper 3. Touchez l'onglet volume pour afficher et régler les volumes. Ouvrez maintenant le menu de la page. Vous pouvez sauvegarder le keyboard set que vous avez édité sur l'un des emplacements de la bibliothèque de keyboard set. Pour le moment, touchez n'importe où autour du menu de la page pour le faire disparaître. Et intéressons-nous davantage au keyboard set. Il est important de comprendre la différence entre un son et un keyboard set. Allez dans le mode sound. Touchez le nom du son et vous verrez tous les sons groupés dans différentes familles d'instruments. Ces sons sont utilisés de manière individuelle ou combinée pour vos keyboard sets, comme nous l'avons fait précédemment. Nous avons utilisé un son de la catégorie électrique piano pour upper 1, et un son de la catégorie string pour upper 2, etc. Retournez au mode still play. Parfois, votre keyboard set pourrait être disposé en une couche de 3 sons dans les aigus et d'un son dans les graves, ou de 2 sons dans les aigus et pas de son dans les graves, ou simplement d'un son sur tout le clavier. Quelle que soit la manière dont vous le réglez, les sons que vous employez, les niveaux, le point de partage, le panning, les effets, etc. peuvent être sauvegardés et rappelés à partir de la bibliothèque de Keyboard Sets à l'aide de ces 9 boutons Keyboard Set Library ici à droite. Ces boutons ouvrent une sélection de Keyboard Sets que vous pouvez choisir à partir de l'affichage. Ces onglets contiennent des groupes supplémentaires de 8. Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons Keyboard Set Library de manière répétée pour faire défiler les onglets. Nous sommes sur l'onglet Factory, il s'agit donc des keyboard sets fournis par Korg. L'onglet User vous permet d'accéder à vos keyboard sets. Direct sert à accéder directement à davantage de keyboard sets sauvegardés sur votre média USB sans avoir à les charger sur la mémoire interne. Appuyez sur Exit. Les keyboard sets que vous avez édités peuvent être sauvegardés en ouvrant le menu et en sélectionnant Write Keyboard Set to Library. Un autre moyen rapide consiste à maintenir enfoncé l'un des boutons Keyboard Set jusqu'à ce que l'écran Write apparaisse. Puis, choisissez un emplacement, renommez-le si vous le souhaitez, et appuyez sur OK. Pour le moment, appuyez sur Cancel. Vous remarquerez le bouton Setlist ici. Ces boutons peuvent être employés pour une autre fonction lors de l'utilisation de Setlist. Nous en parlerons dans le chapitre Songbook. Appuyez sur le bouton My Setting. Ce bouton donne accès à votre keyboard set favori et c'est le premier sélectionné quand vous allumez le PA1000. Nous avons actuellement un piano stéréo sur tout le clavier. Il est possible de le régler comme vous le souhaitez. Il pourrait s'agir d'une superposition de nylon guitare et de pad, d'un split de basse et de clavinette, etc. C'est un moyen facile et rapide de passer à votre réglage préféré tout en jouant. Pour sauvegarder votre keyboard set préféré ou n'importe quelles éditions effectuées sur My Setting, maintenez enfoncé le bouton My Setting jusqu'à ce que l'écran Write apparaisse. En touchant OK sur l'écran, le processus d'enregistrement se poursuivra et écrasera le réglage actuel. Pour le moment, touchez Cancel pour conserver le My Setting original inchangé. À propos, ces 3 boutons peuvent être assignés à différentes fonctionnalités. Une fois que vous avez trouvé la meilleure utilisation des boutons en fonction de vos besoins musicaux, sauvegardez-la avec votre keyboard set préféré sur My Setting. Quand vous allumez le PA1000, My Setting est le premier keyboard set à être chargé afin que votre assignation de boutons corresponde toujours à vos préférences. Cette assignation de boutons sera conservée quand vous changerez de keyboard set. Si vous souhaitez que des assignations de boutons différentes soient sauvegardées avec chaque keyboard set, il faudra désactiver Assignable Switch Lock dans Global.